There's one question that after we talked about people giving me the question, there's one question which I think would be beneficial for people to also hear, and maybe we can, for both of us, it would be beneficial to discuss. Suite à ma demande d'hier, j'ai reçu une question qui s'avère intéressante, qui pourrait être intéressante pour nous tous, que nous la voyons ensemble. So, the person who asked the question, David Hike, I'm answering this now. La personne qui a posé la question, excuse me, well, whoever the person. Yeah. I'm answering now, David Hike. Cette personne, Davy, va recevoir sa réponse maintenant. The question is, in this degenerated age, in my mind, when negative emotions rage like wildfire, why am I unable to apply the teachings? Why am I able? Unable to. En cette époque dégénérée, tandis que le feu des passions fait rage, pourquoi suis-je incapable de pratiquer les enseignements? First, Kali Yuga says it, right? Kali Yuga. Kali Yuga. This is probably my own wild interpretation, but I have somehow heard, you know, in Sanskrit, I think Kali Yuga is interpreted as, translated as a degenerated time. Kali Yuga. D'après mon interprétation fort personnelle, on est à l'époque dégénérée, c'est la traduction du sanskrit Kali Yuga. And Kali is also, as some of you might know, it's a goddess or a deity in Hindu, also in Buddhism, in the Tantric Buddhism. Kali, comme vous le savez peut-être, est une déesse et une déité aussi bien hindouiste qu'on trouve aussi dans les tantras bouddhistes. In Hinduism also, as some of you may know, Shiva is also referred as Shiva, the destroyer. Et vous savez aussi peut-être que lorsqu'on fait référence à la divinité hindouiste Shiva, on l'appelle Shiva le destructeur. I have heard from few Hindu people that if you take out the Kali from Shiva, then Shiva is like a vegetable. Et certains maîtres hindous m'ont expliqué que si l'on retirait le principe Kali de Shiva, Shiva ne serait plus qu'un légume. So it is Kali actually that makes Shiva so powerful. Et c'est en fait Kali qui donne toute sa puissance à Shiva. But you know, this is the thing that I was talking. Was it yesterday or day before? That you know, in this kind of path or a religion like Hinduism, there's so much of sort of non-dual stuff. You know, like. You can actually see Kali standing on Shiva, sometimes some of the iconography. On en parlait hier ou avant-hier. Dans l'hindouisme, il y a tellement de points qui évoquent le non-dualisme, comme par exemple lorsqu'on voit Kali qui se tient debout sur Shiva. Also in certain
Hindu teachings, I've read that it was Shiva's kind of a curse, maybe is not the right word, but anyway, I don't have a better word, that made Kali sort of not know how to take in the tongue. She stick out her tongue, and so it's stuck there, so to speak. C'était une, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais une malédiction de Shiva de faire que Kali, la déesse Kali, ne puisse jamais ravaler sa langue. Anyway, the question is about, you know, in this degenerated age, the concept of degenerate is very interesting. Quand on parle, pour revenir au sujet de cette époque dégénérée, cette lie des temps, qu'est-ce que l'on entend par dégénérescence? This is supposedly the time of age of Kali. Il s'agit maintenant de l'âge de Kali. Kali also refers to dark, you know, black. Et Kali aussi, c'est un mot qui signifie noir au féminin. But in the Sanskrit, Kali is also time. Et Kali fait aussi référence au masculin en sanskrit, au temps. Every second that is ticking away, this very so-called time is none other than Kali. Et de chacune de ces secondes qui s'enfuit, donc ce qui tisse le temps, aucune de ces secondes n'est autre, n'est différente de Kali. Anyway, as I said, it's the age of Kali. Nous sommes donc à l'époque ou à l'ère, pendant l'ère de Kali. It sounds like, for some people, this actually means the age of volatile. Remember, volatile is just volatile time. So not necessarily, the degenerate seems to have a little bit of a negative connotation. Volatile, like, you know, it can become very good, it can become very bad. Everything is so intense and maybe volatile. Excuse me. Ce temps de Kali est en fait une époque, en anglais on dit volatile, mais je ne sais pas, en français, ça signifie prête à exploser, où tout peut changer soudainement. And this is also taught in the Vinaya, like in the, you know, Sharvakayana Sutras. Buddha said, monks who abides with all the major and minor vows intact during the Buddha's time, and monks, but who may, you know, sort of violate few, but mostly pure, you know, they keep it intact. C'est de même dans le bouddhisme, dans les textes de Vinaya. Donc, il s'adresse les textes de la collection des textes des auditeurs du Shravakayana. Le Bouddha, Donc, le Bouddha parle de ceux qui tiennent, qui respectent la quasi-totalité de leurs vœux, qui n'en violent que très peu et de manière infime. And monks who breaks almost all the vows, but keep one or two during the degenerated time, like now, has a same amount of merit and power.
Si on les compare à ceux qui rompent la plupart de leurs vœux et n'en respectent qu'une partie infime, à cette époque, pendant cette époque dégénérée, donc les moines qui, à une autre époque, gardent tous leurs vœux et ceux qui en gardent juste quelques-uns à cette époque présente, forment les mêmes mérites. And similar like this is taught also in the Mahayana sutras. In fact, Shakyamuni Buddha himself, when he was a bodhisattva, he decided to emerge as the Buddha when the time is not very, very fortunate. When the time is about to degenerate, he's one of his main aspiration to become enlightened was a specific time when the time gets degenerated. He specifically wanted to be enlightened at that time. Dans le grand véhicule, on dit que quand celui qui deviendrait le Bouddha Shakyamuni n'était qu'un bodhisattva, il fit le vœu, et c'était là une de ses aspirations les plus profondes, le vœu d'atteindre l'éveil, justement, pendant une époque dégénérée. Oh, Vajrayana, one of their main things they brag about is how Vajrayana, especially the higher yoga tantras, are taught specifically to the minds and the attitude and the, what do you call it, element of the degenerated people and during the degenerated time. Et dans le véhicule de diamant, le Vajrayana, on se vante particulièrement d'avoir des enseignements qui sont spécialement faits dans les tantras du yoga insurpassables pour la forme d'esprit et toutes les mauvaises habitudes des êtres qui renaîtront pendant cette période dégénérée. Well, generally, it is safe to say that if you were reborn as a human being during those really, really, really good time, fortunate time, you are not a good vessel for Vajrayana path. Et l'on peut même dire que si l'on reprend naissance lors d'une époque dorée, un âge d'or, une époque parfaitement saine, on ne peut pas être un vase digne des enseignements des tantras supérieurs. Answer to the question. Pour répondre à la question. Even the concern that we are not being able to apply the Dharma during this degenerated time, that's already very good. You should ask these questions 6 times a day. Et même ce souci, donc de se trouver incapable de pratiquer le Dharma pendant cette époque dégénérée, c'est une très très bonne question et il faudrait même se la poser 6 fois par jour. Because that itself has a bit of a mindfulness. Parce que là-dedans, il y a une bonne trace d'attention. Or, the first thing you should think about when you wake up should be this question. Et la première chose que l'on devrait faire en s'éveillant le matin, c'est se poser cette question. And last thought before you sleep should be this question. Et la dernière pensée que l'on devrait avoir dans la journée, juste avant de s'endormir, ce devrait être cette question. As the food is traveling down your mouth through your throat, you should ask this question. Et tandis que la nourriture que l'on vient d'avaler descend dans notre œsophage, nous devrions nous poser cette question.
But at the same time, as Jingme Lingpa said, one should cherish and generate this one should cherish the fact that you are asking this question. Et comme Jingme Lingpa le dit, nous devrions chérir cette question. Pardon, la capacité, le fait de se poser cette question. As I said, you know, and as sharing is, you know, giving us whatever it takes to bring mindfulness, we should try to do this. Et comme le rappelle bien la lettre à l'ami, tout est bon qui permet de ramener l'attention ou de cultiver l'attention. In the sutras, there's so many stories like this that there was once a merchant who was so sad that the illumination of the Dharma is not so kind of known or not noticed by the people, so he felt very sad. So what he did, nearby there is a stupa, and he put a bell on the top of the stupa, so that when the wind comes, the bell will make sound, so that people will have a look at the stupa. Yeah, to this level we should try to remind ourselves. Et comme on peut lire dans un sutra, l'histoire de ce marchand qu'attristait l'idée que le dharma ne soit pas, que l'illumination du dharma, les lumières sur le dharma ne soient pas assez puissantes, avait installé en haut du stupa qu'il avait à côté de chez lui une cloche pour que le vent agitant cette cloche rappelle aux gens de se tourner vers le stupa. Et c'est ce genre, c'est même à ce niveau que nous devrions essayer de cultiver notre attention. As we discussed yesterday, there's two things we need to know. The culprit, the main culprit is distraction, no mindfulness. Therefore, main investment or main antidote or path that one should apply is mindfulness. Donc, comme nous le voyions hier, il y a deux choses à connaître. Reconnaître d'abord que le coupable principal de tout ce malheur, c'est la distraction. Et que le meilleur investissement que nous puissions faire, le meilleur placement, c'est l'antidote qu'on appelle attention. This is safe to say, all the 84,000 teachings is something to do with the mindfulness. Et il n'y a aucun risque à dire que chacun des 84 000 enseignements du Bouddha concerne ou sont dirigés vers l'attention. As Shantideva said, Samsung toujours matobo toujours j'ai dit j'ai. Apart from toujours tu sais, practice toujours. Apart from training the mind, what need is there? You know, all the other training is not necessary. Only mind training. C'est comme Shantideva le souligne, quel autre entraînement que l'entraînement de l'esprit est-il nécessaire? À quoi servent tous les autres entraînements? And then this, you should do, as I said, you should do it whatever it takes. But it's important that this ritual or this gadget or this whatever the method you are applying to remind you the mindfulness will not become a custom. Et ce qu'il est important de voir aussi, c'est que quel que soit le rituel ou le procédé ou le gadget ou la méthode à laquelle nous avons recours pour
développer cette attention ne devienne pas une habitude. It's amazing the past masters, like Drupa Jupa masters, Jalwa Yangonpa and Gotsangpa Gompa Dorje. In their teachings, they even suggest what kind of, how strong the tea should be. Sometimes strong, sometimes light. And sometimes wear hat, sometimes don't wear hat, like this. So, you know, it's so much concern. C'est ainsi que dans les enseignements, par exemple, des Drukpa Kagyu, comme Yangonpa ou Gotsangpa, dans leurs textes, dans leurs conseils, ils vont jusqu'à préciser quand et précisément à quelle dose le thé doit être fort ou pas fort, quand il faut porter un chapeau et quand il ne faut pas en porter un. And then also the place. I forgot the details, but Longchenpa has this somewhere, I think maybe Menganzo. Like, if you know, sometimes next to rocks, this might help you to remember the impermanence. Cemeteries, because it might bring blessings. Quand même dans des textes comme ceux de Longchenpa, on peut voir sont indiqués avec une extrême précision les endroits où l'on doit méditer, par exemple près d'un grand rocher pour se rappeler mieux l'impermanence, ou dans un charnier pour recevoir des bénédictions. Next to a flowing river, or in the midst of like the sound of, you know, wind hitting like pine trees, you know, trees. To generate sadness, joshé, sadness, non? Méditer parfois près d'un cours d'eau, ou méditer à proximité de pins qui sont agités par le vent pour faire naître en soi la tristesse. What works this morning will not work tonight. Et ce qui marche ce matin ne marchera pas ce soir. So maybe it's also important to change. Et c'est en cela qu'il est certainement important de changer. But also relying too much on these kind of things will end up you changing the spot all the time and never do meditation. Par contre, s'appuyer trop sur cette volonté de changement, cela nous emmènera de lieu en lieu sans pouvoir finalement se fixer et pratiquer la méditation. Really, this is Devarshek, Sugata, Sugata, part of the Sugata, part of the blissfully gone. So, you know, Shantideva even mentioned, you know, one hand giving it to the other hand, you know, as a practice of generosity. It's this, you know, one should really follow it step by step. Et pour se déplacer et progresser sur cette voie de ceux qui sont allés dans la félicité, les Sugata, il ne faut pas hésiter à suivre des conseils progressifs comme celui que suggère Shantideva lorsqu'il parle de s'exercer la générosité en commençant par donner ce que l'on a dans la main droite, le faire passer dans sa main gauche. Consistency is very important. La cohérence est quelque chose d'essentiel. Doing it really consistently, spiritual path, the Dharma practice, consistently. Is very important, genuinely, consistently. Il est important donc d'être cohérent et authentique dans sa pratique et sa progression sur la voie du Dharma. And not despising small Dharma practices, so-called small Dharma practices, such as burning incense. Aiming to so-called big Dharma practices like 3 years retreat.
we end up, you know, despising the small methods. Not to do that is important. Et il est important de ne pas mépriser les petites pratiques, les méthodes humbles, comme ne serait-ce que d'allumer un bâton d'encens, sans avoir en tête seulement les grandes pratiques comme la retraite de 3 ans. As Paltrow Rinpoche said, actually, doing bad things is so exhausting. And actually kind of difficult also. Not so much chance to do bad things. Et comme le rappelle, comme le souligne Paltrow Rinpoche, faire le mal, c'est difficile, c'est fatigant, c'est compliqué. Doing good things, especially geva, virtue, very easy. And chances are always there, all the time. Et alors qu'il est beaucoup plus facile de pratiquer la vertu, geva, parce qu'on a toujours l'occasion de le faire en général. You know, for instance, if somebody annoys you, there, maybe not for 1 hour or 2 hours, that's not so possible, maybe especially for the beginners, for a split moment, thinking that here is my chance to practice patience. Et quand quelqu'un nous ennuie, peut-être que cela ne peut pas durer des heures, mais ne serait-ce qu'un bref instant, se dire, oh, voici la bonne occasion pour moi de pratiquer la patience. First, maybe few months, it will only be on an intellectual level. You will only hear, I'm supposed to be patient when I encounter an annoying person. Au début, les premiers mois, lorsqu'on veut faire ça, peut-être que ça restera intellectuel, ça restera dans la tête, ce désir de, ah, il faut que je sois patient avec cet importun. But in reality, you lose all your temper. You know, only on the intellectual, you know this. But in practice, you lose all your temper. Bon, à ce point-là, ça reste purement intellectuel, puisqu'en fait, on perd patience. Then, after about a year, you will develop this habit of every time you lost your temper, you feel, oh, you know, of course, I'm supposed to be patient, but I didn't do it. That kind of guilt. And that's good. That's a progress. Et au bout d'un an, quand on se sera énervé un petit peu, on aura à chaque fois un sentiment de culpabilité qui est très bienvenu. Du genre, on se dira, j'aurais dû rester patient. Et cet état de conscience un peu coupable est parfait. So keep on consistently learning this, training this way. Il faut donc continuer d'apprendre et de s'entraîner de manière cohérente. And then you will reach to a stage where you lose your temper first, and towards the end, the patience starts. Jusqu'à arriver à un point où, évidemment, bien énervé, on s'énerve, mais au cours de cet énervement, quand il touche à sa fin, apparaît la patience. Then, after a while, you lose temper. At the same time, something tells you you are not supposed to lose temper. You know, kind of together. Après, au moment où on s'énerve, au même moment arrive une espèce de critique de cet énervement. Non, je suis pas censé m'énerver. That's how we should train. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on s'entraîne. Then Then, in the you know, once you get used to this, next time when you see when you encounter an annoying person, patience is already there. Et si l'on persiste dans ce sens, la fois suivante, quand on se fait embêter par quelqu'un, la patience est déjà là. Still hasn't finished, huh? The path still hasn't finished. Mais on n'est pas encore arrivé au bout de la voie. Then one has to learn slowly not to be proud of having patience. Il faut se mettre à apprendre alors à ne pas s'enorgueillir d'avoir été patient. Yeah, like that. And then, you know, of course,
ideally, you know, always fundamentally, as I said before, we practice patience not because of all these reasons we were talking, but because there is really no such thing as annoying person in reality. Et en fait, après, il faut bien voir que on s'est entraîné à la patience, pas pour éviter les importuns, mais simplement parce que la vraie raison pour laquelle cette patience est là, c'est parce qu'un être importun, ça n'existe pas réellement. And then, again, I'm still answering this question. This very important question. Je continue donc de répondre à cette question essentielle. And this is the last resort and the best also. Là, on arrive au résultat final et au meilleur résultat possible. Aspiration, prayers. L'aspiration, les prières. Really, we should do prayers. Nous devrions faire des prières. Actually, the main sort of body of the Bodhisattva's practice is prayers. En fait, le corpus, l'essentiel des pratiques des Bodhisattvas, ce sont ces prières d'aspiration. Prayers is so important. Elles sont tellement importantes. So pray that may I be able to, you know, like, you know, able to apply the antidote when it is necessary. Des prières comme celle-ci, puissais-je être capable d'appliquer l'antidote quand cela s'avère nécessaire? Again, you know, prayers should not be like, may I, you know, become healthy, you know, of course, should not be limited only to, like, may I live long, may I be healthy, may my team score the goal, not only that. Les prières qu'on doit faire, ce n'est pas seulement des prières, puis-je vivre longtemps, ne pas être malade, puisse mon équipe écraser tous les autres. Non, ce n'est pas ce genre de prière-là. Fundamentally, may I understand the truth? La prière la plus fondamentale, c'est puissais-je comprendre la vérité? You know, for instance, like, we all pray, may we be free from suffering. En général, nous faisons cette prière, puissions-nous tous être libres de la souffrance? But very few people pray, may we abandon samsara. Peu de gens font plutôt la prière, puissions-nous renoncer au samsara. Yeah, that's, you know, of course, nobody wants to suffer, but very few wants to actually abandon the samsara, which is the cause of the suffering. Il est évident que tout le monde veut ne pas souffrir, mais beaucoup plus rares sont ceux qui veulent renoncer au samsara, qui est la cause de cette souffrance. This is a Sakepa's expression, Shenpe Shugna Delve Milua. It's, you know, it's like sesame seed. If you want oil, sesame seed by itself doesn't remotely look like oil. Pour prendre un proverbe ou une expression en Sakepa, si l'on veut de l'huile de sésame, il faut des graines de sésame, même si la graine elle-même n'a pas du tout une apparence d'huile. But with this desire, with this desire of wanting the oil and looking at something that doesn't remotely look like oil, you can extract oil. Mais avec du fait de ce désir, de ce regard porté sur la graine, le grain de sésame et le désir d'avoir de l'huile, on finira par extraire de cette chose qui n'a rien du tout d'huile, de l'huile. We have no desire to extract
oil from paper, so to speak. Right? Il ne viendrait pas à l'idée, si je puis dire, de vouloir extraire de l'huile d'une feuille de papier. It just doesn't come, that kind of desire to extract paper or on a même extract oil from the paper or the space or something like that. On n'en a pas l'idée, comme de presser de l'espace pour en faire de l'huile. So this desire is important. Et donc ce désir est important. And anyway, as Chandradeva said, dungal nyevar shidendu jebimong pat domija. This is a very important statement by Chandradeva. In order to dispel the suffering, there's one, I'm not translating this properly, but there's one ignorance you should keep for the time being. C'est comme Chandradeva l'exprime de manière très pointue. Si l'on veut échapper à la souffrance, il y a quand même une forme d'ignorance qu'il faut garder. And that's thinking that there is an enlightenment. Croire qu'il y a un éveil. You know, this is important that you know. Namthar Gosam, three doors of liberation. Quelque chose de très important, ce qu'on appelle les trois portes de la libération. Actually, Namthar Gosam, three doors of liberation is what makes Mahayana. En fait, ces trois portes, c'est cela qui constitue le grand véhicule. Yeah. You know, what makes you not a Mahayanist? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas un adepte un pratiquant du grand véhicule? If you miss one of those three doors of liberation. Dès lors que l'on manque l'une de ces trois portes. Ground is emptiness. Donc la base, c'est la vacuité. Path is characteristicless. La voie, c'est le sans caractéristique. Result is beyond aspiration. Et le résultat, c'est le sans souhait, ou l'au-delà de toute aspiration. Yeah. But during the path, as I said, aspiration is so important. Mais aspiration to understand and actualize the result that is beyond aspiration. This is really the essence of the Mahayana path. Et par contre, donc, pendant la voie ou sur la voie, l'aspiration est indispensable. L'aspiration à comprendre et à réaliser ce qui se situe au-delà de toute aspiration. It's like Longchenpa said, it's like wishing to wake up from a nightmare. C'est comme vouloir, ainsi que Longchenpa le dit, se réveiller d'un cauchemar. And that's a very important analogy, hein? Because a nightmare, whatever you are dreaming, it doesn't exist. So no need to actually wake up. Parce que l'exemple est très intéressant, parce que un cauchemar, cette chose atroce dans laquelle on est, ça n'existe pas du tout. Donc il n'y a pas besoin de vouloir s'en éveiller. This whatever you are dreaming, it doesn't exist before you sleep. Ce dont on rêve n'existe pas avant que l'on s'endorme. It doesn't exist during having the nightmare. Ça n'existe pas non plus pendant que le cauchemar se déroule. Of course it doesn't exist after you wake up. Et bien sûr qu'il n'en est plus question une fois qu'on s'est réveillé. Yeah. So, aspiration is really, aspiration is like, it is the path, basically. L'aspiration, vraiment. L'aspiration, c'est la voie. Even Tantrayana, even this is not the time to talk about Tantrayana. Even in the Tantrayana, Sangha Mepalamjim, motivation, generating the motivation. Même dans les Tantras, dans la voie des Tantras, bien que ce ne soit pas maintenant qu'il faille en parler, mais l'aspiration fait partie de cette voie. Ok. Now, to... Go back to the text, mindfulness of all kinds. Maintenant, nous, pour revenir à notre texte, pour
concernant l'attention sous tous ses aspects. It's actually related to what we were just discussing. En fait, ce que l'on va étudier maintenant est tout à fait en rapport avec ce dont nous parlons. You know, we were talking about path. Path path means there is a ignorance. La voie, ça veut dire qu'il y a une ignorance. So talking about after the ignorance or purification of ignorance, as you obviously, we are talking about these things within the context of path. Et quand nous parlons de l'après, après l'ignorance, de la purification de l'ignorance, en fait, nous le faisons dans le contexte d'une voie. You know, the samsara and nirvana that we casually talk. Dans le samsara et le nirvana dont il nous arrive de parler. Not only samsara, but even the nirvana, you can only talk within the path. Non seulement du samsara, mais aussi du nirvana, de cela on ne peut parler que dans le cadre d'une voie. Because deep sleep, you can only talk about waking up in the context of sleep. Quand on veut parler du sommeil profond, on ne peut le faire qu'en se référant à l'éveil, au réveil. I'm sure some of you may have heard this 12 interdependent. Je pense que la plupart d'entre vous avaient entendu parler des 12 facteurs de la production interdépendante. Yeah. We have no time to go through all of that, but it might come a little later, but just briefly. Pour en parler brièvement, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, ce qui risque de venir après, je crois. Actually, the 12 interdependent coordination can be maybe discussed within discussing what we call nyan mong basum, the three different kinds of emotion. Yeah, I think that's better. On peut parler de ces 12 facteurs en les ramenant à ce qu'on appelle trois afflictions, trois émotions négatives. Dans ces émotions, on distingue donc les émotions des émotions. And chevi kuni nyanmongpa, emotion of rising birth. L'émotion de la naissance. The emotion of action. Et les émotions qui sont l'action. Yeah, I want to discuss this a little bit because there's always a little bit of a sort of dissatisfaction when I say all emotions are pain. Parce que je veux en parler plus profondément, parce que je vois un drôle d'air quand on dit que toutes les émotions négatives sont douloureuses, sont douleurs, souffrances. If I talk these three, when I'm
When I look at these three emotions, I think, yes, all emotions are pain. Quand je regarde ces trois types d'émotions, d'accord, j'accepte que toute émotion soit souffrance. Okay, the first one is like this. And by the way, this is actually the quintessential meaning. You can really talk, basically we are talking about the 12 interdependent coordination. Donc là, notre discussion, en fait, c'est une manière résumée et complète de parler des 12 facteurs de la production interdépendante. So like, even like this biscuit. Donc même une chose comme ce biscuit. When I look at this, quand je le regarde, first thing what I will not know is that this is a jigsaw transitory collection. La première chose que je ne saurais pas en le regardant, c'est qu'il s'agit d'un ensemble périssable. I will not think this. When I look at this, I'm not thinking in terms of atoms and, you know, all the parts. I only think as one, all kind of things like that. Quand je le regarde, je ne vois pas là-dedans une masse donc promise à se détruire. Je n'y vois pas les atomes qu'il constitue, yeah, etc. That's already a mistake, you see. Déjà, c'est une erreur. So, with that, then you would, similarly, you have notions such as me, mine. C'est alors que viennent des notions de moi et de mien. Out of that, out of looking at a transitory collections and thinking as one, comes all kinds of numto conceptions, et discursive thoughts. Du fait de voir dans ce morceau de biscuit l'unité plutôt que une unité plutôt que d'y voir un ensemble de choses promises à se détruire, apparaissent toute une série d'idées fictives. And this is none other than marikpa, sepa, lenpa, ignorance, craving and taking, right? Taking. Et là, c'est ces choses ne sont rien d'autre que ces facteurs de la production interdépendante que sont l'ignorance, la soif et l'appropriation. And this then, this first emotion then gives birth to the second emotion. The second emotion is the emotion of action. Et cette première série d'émotions donne naissance à la deuxième, celle qu'on appelle les émotions négatives de la naissance. De l'action. In order to get this transitory collection, which is misunderstood as a biscuit, permanent, independent, half a biscuit, through this, then, and because I want this craving, and I want to take this, then creates the action, and all kinds of action, virtuous, non-virtuous. Donc, pour m'approprier cet ensemble promis à se détruire, cet ensemble, cette chose périssable, qui est parce que je considère comme durable, comme unique, comme indépendant, comme entier, même s'il s'agit d'un demi-biscuit. Rien que pour m'approprier cette chose, je vais passer à l'action. Et l'action, elle sera positive, négative ou neutre. And that's duje action. Là, on est dans le facteur qui s'appelle duje, l'action. And sitpa, becoming. Existence. Et suivi de l'existence. Existence. This is also part of the emotion. The emotion of action. L'existence, donc, qui est aussi un élément de l'émotion d'action. Then this gives rise to birth, old age, death, names, rupas, form. Et cette existence produit à son tour la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, les noms, les formes. Okay, so this three, or this 12,
giving birth to rise to each other. Donc, spinning is called samsara. Et ce mouvement circulaire où chacune des trois formes d'émotion, où chacun des 12 éléments de la production interdépendante donne naissance à l'autre, ce fait que cette danse circulaire, c'est ce qu'on appelle le samsara. Trying to damage this spinning wheel, slowing down, unscrewing some, you know, nails. This is called the path. Le fait de vouloir mettre à mal ce cercle vicieux, de le ralentir, de le déboulonner de ci, de là, c'est ce qu'on appelle la voie. And when the spinning stops, that's it, that's a nirvana. So we are talking, when we talk about samsara and nirvana, we are talking about within this three emotion. Quand cette roue s'arrête de tourner, c'est le nirvana. Donc on parle de samsara et nirvana à l'aide de ces trois formes d'émotions. So with this, then we should listen to these stanzas. Et c'est en connaissance de cela qu'il faut écouter la stanza qui vient. The big grunge with that. Doesn't have a big rancune. Ah, d'accord. Against the sensual objects. Donc Nagarjuna, rappelez-vous bien, il n'a rien contre. Il n'a pas de rancune particulière contre les objets des sens. So, Ganda Wambo, tu yul namia neta to mitin yodan Gandaji, yul mo jaso leje, leje tedale, kenam, tambo wangrap laportal. So, you know, so now, you know, this senses are fickle. Donc, dans la stance 24, Nagarjuna rappelle que les sens eux-mêmes sont instables. Remember? I look at this, you know, my eyes look at this, my mind look at this, and my nose smelling this. Yeah. Rappelez-vous donc cette chose que mon œil regarde, que mon esprit regarde, que mon nez sent. My tongue tasting it. Que ma langue goûte. And my mind thinking, oh, the Swiss chocolate, Belgium chocolate, Russian chocolate, all of this. Et mon esprit qui fait des comparaisons entre le chocolat suisse, le chocolat belge, le chocolat russe. So it's very fickle. Tout cela est très instable. So one who can conquer the senses are courageous ones. Les vrais, celui qui a le plus de courage, c'est celui qui peut vaincre les sens. Oh, this is just imagine, you know. Keep in mind, he's talking to a king. You know, he's saying that, you know, you conquering some enemies, so-called enemies, that's nothing. That's not really bravery. Real bravery is when you can conquer your senses. Rappelez-vous que Nagarjuna s'adresse à un roi, donc à un guerrier victorieux. Et il lui rappelle que ses conquêtes et le fait qu'il ait écrasé telle ou telle armée ennemie, c'est du pipeau par rapport au fait de maîtriser ses sens. Well, as you have been noticing, this is a letter to a friend. And usually we read, oh, you know, how great you are, you know, I've received your letter, you know, all kinds of hypocritical words. Donc rappelez-vous, normalement dans une lettre à un ami, on ne tarit pas d'éloges, on le trouve parfait, on lui envoie, bref, toute une série d'hypocrisies. But as you can see, to a king, his friend, straightforward, it's a real friend's talk. Là, son ami, le roi, il parle droit, comme un ami parle à un ami. This king, by the way,
seem to be a very peculiar character, this king. Mais on peut, il semblerait que ce roi ait un caractère plutôt spécial. I don't know. I think this is maybe. Anyway, this king was even asked by Nagarjuna to go to Silvitsal, this grave. In Sri Vijaya. Yeah. Cool Grove. What is Cool Grove? Donc, Nagarjuna demande au roi de se rendre au bosquet, au froid bosquet. C'est le nom d'un charnier. Maybe this is translated. If not, it's really good to translate for the kids. Ce serait, je ne sais pas si c'est traduit ce moment-là, mais ce serait bien de le traduire, ne serait-ce que pour les enfants. I used to love reading that. J'ai vraiment aimé cette lecture. I've forgotten a lot now, but the story is Nagarjuna asked this king to go to this grave, and there's a tree, and up on the higher branch there's a dead body. C'est donc cette histoire où le roi va avec Nagarjuna dans ce charnier et au milieu duquel il y a un grand arbre en haut duquel il y a un cadavre, un zombie. And this dead body, if the king can bring this dead body to Nagarjuna, the whole dead body will become gold or something like that. Et donc l'histoire veut que si le roi est capable de rapporter ce cadavre à Nagarjuna, le cadavre ou sa masse, quelque chose comme ça, se transformera en or. But not so easy, this dead body. Mais because this dead body talks. C'est facile à dire, mais transporter ce genre de cadavre-là, c'est difficile. D'abord parce qu'il parle. And you are not supposed to say anything. Et on n'est pas censé lui répondre. On n'est pas censé lui répondre si on veut que ça marche. And you know, there's even a mention about how. There's even like Nagarjuna even suggests like the king to put you know some food inside the mouth so that can't talk. When he's carrying this, he has to walk. Nagarjuna suggère au roi de se remplir la bouche, de se remplir la bouche pour éviter de parler. Yeah. But this is really good. This, I think zombie, instead of everyone, Roland, zombie. Gives wonderful stories. Mais le zombie en question est vraiment un grand conteur, il raconte des histoires incroyables. There's one story that's my favorite, Motan Pango. It's like he's a soothsayer. Donc, he's a you know, like the predictor. L'histoire d'une diseuse de bonne aventure. He has some kind of attribute, a pig head on a stick that he gives blessing to people. Qui est pourvu de, qui a comme une espèce de sceptre, qui est une tête de cochon sur un bâton avec lequel il donne des bénédictions. He's always so lucky. So anyway. It's how many stories are there? Just the Jomaran. Oh yeah, that's right. The king has, I think, 100 chance. Donc le roi a 100 chances. So it's like there's a 99 story or something like that because the stories were so good that even like at one, you know, in the later parts. King had to respond to the zombie, and immediately the moment the king speaks, the zombie flies back to the tree. Donc, en fait, il doit y avoir une centaine d'histoires, et il y en a 99 qui sont racontées parce que à chaque fois que le roi répond au zombie, le zombie retourne à sa place en haut de l'arbre. Well, I was told it's in French.
Oui, I think it's translated in French. Yeah, it's such a good story. C'est traduit en français. Hein, ce... Voilà, and those comme ça. Who in India they have in comic. En Inde, on trouve ça en bande dessinée. I think it's called Vetala and Vikram. Ça s'appelle Vetala Vikram. It's Vetala, c'est published by comic company called Amar Chitra Katha. I remember this. C'est la maison Amar Chitra Katha. Amar Chitra. You know, so like, I think Amar is like the endless, you know, deathless story or something like that. L'histoire de la mort ou d'histoire sans mort ou sans fin. Okay. Pime, okay. Pime, je ne l'ai pas lu, 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 je Last. All again more detailed, you know, like to control your senses. Donc là, on rentre dans plus de détails avec la stance 25, des détails qui nous permettront de mieux contrôler nos sens. Yeah, I guess the kings they get distracted by young girl's body. On peut, je suppose, que le roi devait être distrait par le corps des jeunes femmes. So giving instructions to his friend, well, you know, you could also look at it as a smell, you know, all kinds of filth, insatiable, and even the seemingly beautiful form is merely ornament. Et de considérer donc ce corps comme ayant une odeur insupportable, étant immonde, insatiable, dont la beauté apparente n'est qu'une sorte de, d'ornement. Just to, you know, so that you would not wonder too much. If this was written to a princess, it will be the other gender, so not to come to quick conclusions here. Donc n'en venons pas à une conclusion trop rapide. Si le texte avait été adressé à une princesse, on aurait pu inverser. In the, you know, advice to the nuns and female upasikas, the Buddha's, you know, sort of, in the sutras, the pointing out the fault of male is really severe. Et dans les textes où le Bouddha donne des conseils aux nonnes et aux pratiquantes laïques, il n'y va pas légèrement avec les défauts des mâles. And also, not to forget, many kings in the past, they really neglect the subject and the harmony of their kingdom because of some, you know, beautiful princesses of enemy or somebody's wife, so on and so forth. Faut se rappeler aussi que dans l'Antiquité, oui, les rois, les princes négligeaient leur sujet, leur royaume, souvent pour une question de belle femme, une belle princesse ou une belle ennemie. Ou... I heard that English have even a rhyme. Il y a un petit poème en anglais. Une what? Petite comptine en anglais, oui. Wed, bride, what? Beheaded, survive. You know, they when they study King Henry the Eighth, five wives or something, eight, and who got married? I'm sure some English knows this. Bluebird. Yeah, you have to practice this, right, for the examination. Oh yeah, right. Beheaded, died. Divorce, beheaded, survived. Yeah, like that. Ah ben, c'est à propos de Henri VIII.
où Henri fait un barbe bleue, celui qui avait 8 femmes. On dit divorcé, décapité, morte, divorcé, décapité, a survécu. Chitar zechen simbu nyemba ni deba tundu mela kunten chang shiwar minju tetan tawani deba namda chapang chambar zo. Stanza 26. Stanza 26, pardon. Advising his friend to look at sensory, pleasure objects as wishing to gain some small comfort by standing before the fire when you have some itchy, or here it's talking about leprosy. You know, if you have a leprosy disease and if you have germs, then some, you know, for temporarily you gain a little bit of satisfaction, comfort by standing next to heat. But at the end, it creates even more problem. Likewise, all sensory objects should be seen. Dans cette stance, la comparaison porte donc toujours sur les objets des sens. Et la comparaison est faite avec le lépreux qui peut trouver un léger soulagement en s'approchant du feu. Même si après, ses douleurs redoublent. Again, coming back to the view in the stanza 27. Dans la stanza 27, on revient à la vue. It's really important in all the Buddhist path never to sort of separate the view from method or actions. Dans toute la voie du Bouddha, il est important de ne jamais séparer la vue de l'action ou de la méthode. Yeah, that's something that we must really pay attention. C'est quelque chose à quoi nous devons faire vraiment attention. Jamgun Kongtrul Rinpoche, Lord Thay said, Tawa mebi gomba de mulong tang du chambata. If you have no view but try to meditate, it's like a blind person lost in a big plain, like a desert. C'est Jamgon Kongtrul qui écrit que essayer de méditer sans vue, c'est ressembler à cet aveugle perdu dans une immense plaine ou un immense désert. Many of today's meditation is like this. La plupart des formes de méditation aujourd'hui sont de ce type. Not accompanied even by an intellectual level of view, understanding of a view. Ils ne sont même pas accompagnés, ne serait-ce que par une vision intellectuelle, une vue sous son aspect intellectuel. That is a big misery, because no eyes to begin with, and in the desert, no direction. Ça fait vraiment pitié dans la mesure or où... no sort of railing or no reference. Où on n'a pas Dieu, pour commencer, donc on ne voit rien du tout, et l'on est dans un désert où il n'y a pas le moindre rail ou la moindre rampe comme référence à suivre. This is Jamgon Kongtrul Rinpoche saying. Trying to experiencing the meditation based on the view is like Garuda's flight. Mileage, you know, you
cross the big mileage at within an ease and a short time. Et Jamgon continue. En revanche, méditer, pratiquer la méditation en prenant appui sur une vue, c'est comme le Garuda, le grand oiseau Garuda, qui dans son vol peut parcourir d'immenses distances vraiment sans difficulté. Gombar minuit tabayang chupo serne jingbanda. But if you do not meditate this view, a view that has not been practiced, meditated upon, is like wealthy person who is bound by stinginess, can't use, of course don't give it to others, but because he's so stingy, his wealth is also kind of useless to himself. En revanche, avoir une vue et ne pas la cultiver dans la méditation, c'est être comme ce riche qui est trop avare pour non seulement donner aux autres, mais lui-même profiter de ses biens. So, here also in the 27, Tsulshin Yilacheva, you know, understanding the things as they are and how they appear, basically the ultimate view, is like there's no other greater virtue than this. Percevoir et comprendre les choses telles qu'elles sont, enfin, en avoir ce qu'on appelle la vue ultime, il n'y a pas de vertu qui soit supérieure à cela. And this is quite a big subject. Et c'est là un grand sujet. For instance, you know, quatre sceaux. Yeah. All compound things are impermanent. Toutes les choses composées sont impermanentes. All emotions are pain. Toutes les émotions négatives sont souffrance. Everything is emptiness. Tout est vide, tout est vacuité. And nirvana is beyond extreme. Et le nirvana dépasse tous les extrêmes. Actually, the first two are not the ultimate truth. En fait, les deux premiers de ces sceaux ne désignent pas la vérité ultime. Well, it's the truth. You know, all compound things are impermanent. We know that. C'est bien vrai. L'impermanence des composés, c'est une chose que nous avons constatée. But ideally, it should be accompanied by at least something like a third truth, that there's nothing whatsoever that is permanent or impermanent. Mais il faudrait accompagner cela d'une troisième vérité qui précise il n'y a rien qui soit permanent ni impermanent. Yeah, this kind of sealing with an ultimate view is very important to the spiritual path. Sur la voie spirituelle, il est très important donc de sceller toutes nos pratiques avec cette vue ultime. Jebu rikzuk tö dang den nam chang sherab tsuljim chaba kurma la tete kang la yon ten dini de deni yon ten jen dang chang yang chö. Again, emphasizing the wisdom or the wisdom and the discipline. Ici donc, à la stance 28, l'accent est placé sur la wisdom and, sorry. Discipline. Et la discipline. Sur la sagesse et la discipline. You know, we were talking about how, you know, ultimate truth is important, the view, understanding that is the wisdom. Donc là, ce qu'on appelle sagesse ou la connaissance, c'est la compréhension de la vue ultime. But that should be accompanied by the discipline. Mais ça, cette chose doit être accompagnée par la discipline. It's not good enough that okay, everything is emptiness, sitting on a bookshelf. Not good enough. Il n'est pas assez, c'est pas suffisant de rester dans sa bibliothèque en pensant que tout est vide. Because everything is emptiness, whether you think of them as emptiness or not. De toute façon, les choses sont vides, qu'on y pense ou pas. Even the Buddha himself said. Even Buddha taught the reality of everything. Even before Buddha taught, it was always like that.
Et même le Bouddha dit, avant que les Bouddhas n'enseignent la réalité de toute chose, cette réalité était déjà là, telle qu'elle. Similarly, even after Buddha taught or never taught, the reality of phenomenon doesn't change. Et que les Bouddhas aient enseigné ou pas, la réalité des phénomènes ne change pas. But for us, we need to understand this path. Remember, in order to understand and dwell on the path, you have to have a discipline. Et mais nous, pour parcourir la voie, nous avons donc besoin d'une voie pour comprendre cela. Et pour parcourir cette voie, il nous faut une discipline. Such as, even, you know, such as the discipline of controlling one's senses. Et dans cette discipline, il y a le fait de contrôler ses sens. Here he is saying that, you know, some people may be very highly, born in a very, highly respected family, born beautifully, learned, all of that, but nothing that impressive, nothing that just because of that, they are not an object of veneration. But those who has this wisdom and discipline are definitely object of veneration. Donc ici, il est dit que ceux qui sont bien nés, ceux qui sont cultivés, qui ont belle apparence, faut pas se laisser impressionner. Les gens impressionnants qu'il faut vénérer sont ceux qui unissent la connaissance à la discipline. And then stanza 29 jikten chenpa nye dang ma nye dang de dang me de nye dang mi nye dang de me je jin jikten che je bo da gi yul min par go nyam zeus. Cette stanza 29 parle des huit soucis mondains. Many of us, we have heard this eight worldly dharmas. Nous en avons parlé, la plupart d'entre nous, de ce qu'on appelle les gain and loss, bliss and pain, kind words and abuse, praise and blame. These eight, one must try to, level them, make them same, gain and loss as same. C'est huit points, donc le gain et la perte, le bonheur et le malheur, le renom, l'infamie, la louange et la critique. Nous, ce sont donc les huit dharmas ou préoccupations ou soucis mondains. Et nous devrions donc essayer de les égaliser, c'est-à-dire de voir que le gain, c'est comme la perte. This has a lot of different ways to understand this leveling. Cette égalisation, cette mise à niveau de l'un et de l'autre, il y a mille une façons de le comprendre. For instance, what we think gain usually, ce qu'on appelle le gain normalement, could be a loss, even without Nagarjuna teaching us, generally, we have experienced this many times. On peut, oui, dans un gain, on peut voir une perte sans même recourir aux enseignements de Nagarjuna. Cela, on en a fait maintes fois l'expérience. Things like you missed your bus. Par exemple, on manque le bus. And because of that, you bought a lottery and won it. Et de ce fait, donc on a loupé son bus, donc ça c'est une perte. Mais on est allé au PMU à côté et on a acheté un billet et on a gagné. And things like you have lots of friends. On a des tas d'amis, par exemple. Therefore, you lost all your time. Et dans ce cas-là, on perd tout son temps. Things like you have become so famous. On devient si célèbre. Then you have lost all your freedom. Que l'on perd toute sa liberté. Things like that. Gain and loss, all of that. Even on this level, there is really no reason why we don't see them as matter of interpretation, matter of, it's really the same. Même au niveau, même maintenant, il n'y a pas de raison de voir qu'il y a
une grande différence entre le gain et la perte. Ce sont vraiment la même chose. C'est un enseignement, un conseil très important pour ceux qui nous dirigent. And to us also, we are ruler of our own world. Pour nous-mêmes, qui sommes ceux qui dirigent notre propre monde. It's really futile to really fight for one particular interpretation of that particular day or time. Il est vraiment futile de chercher à saisir ou à s'arrêter à une interprétation particulière valable pour ici et maintenant. Okay, we take a break now. On va s'arrêter pendant une quinzaine de minutes.